Amis sportifs, yon gros salutation pour nous tous. C'est avec un pile contentement, nous reconnecter à vous pour l'autre numéro J-Sport pour semaine. Ça, nous avons quoi pour servir? Getson Jean-Pierre. Coupe d'Europe la fête dans le pays Allemagne, c'est 17e édition. Il y a fait avec 24 équipes qui répartissent en 6 groupes. Nous avons déjà groupe A, groupe B, groupe C, à groupe D. Pour plus de détails, ou même qui t'a raté vidéo précédente, je m'encourage à le regarder sur YouTube, Facebook, à travers la page JCOM Haïti. Je dis à nouveau faire connaissance avec le groupe E et le groupe F. Il y a un groupe E qui vient là-dedans, Ukraine, Slovaquie, Belgique, Akawuman. Mais avant tout, qui t'a dit, dans sa guerre rapport avec championnat vacances, un cash, organisé championnat Bellacou. Saint-Hélène, Anessa, il y a fonds millionnaire, passé inscrit en face de l'église Saint-Hélène pour seulement 50 000 gouttes. L'équipe qui est champion a gagné 1 million gouttes. Il y a appel avec 24 équipes. C'est le même format avec Coupe d'Europe, ça en a vu là. Et l'inscription a bien pour finir. Dernière semaine, mois juin. Cap vini là, nous pour aller dans le groupe et à côté qui gagne. Roumanie qui c'est 46e dans le classement FIFA, yo pral joué 6e Coupe d'Europe en 2020. Yo arrivé dans quart de finale 2016, j'étais là 2000 yo arrivé dans quart de finale en 2020, yo pas qualifié, mais en 2016 yo était là tout Roumain yo bat Israël à Congo pour décocher billet qualificatif yo. En 2000, il a fait gros exploit. Il a sorti dans un groupe qui était gagné Angleterre, Allemagne, et Portugal, pour être qualifié dans le paquet de Boutenor. C'était un gros exploit pour l'équipe Roumanie. Groupe, ça a gagné pas mal d'équipes. Italie était pour le météo d'ailleurs. C'était pour le quart de finale. C'est plus gros parcours dans affaire Coupe d'Europe. Pour Roumanie, il a gagné des joueurs qui ont joué dans haut niveau, comme Horati Moldovan, qui s'est gardé l'équipe. Atletico Madrid là en Espagne, Michel qui est présent dans liste équipe Womenza pour jouer 17e édition Coupe d'Europe. Là, il y a bientôt Radu Dragusin, Michel qui s'est gardé l'équipe Tottenham là qui est présent. Denis Mann avec Valentin Miaïla qui a joué dans PAM. Il y a la pré-équipe Women's Atou Roumanie qui est pour jouer dans le système 4-5-1 dans la Coupe d'Europe. Là. Mais sans oublier, il y a gagné un millier de terrain Empoli et un millier de terrain à la Vesla en Espagne. N'a pas aidé Tanis Hagi qui a joué dans la Vesla qui est présent pour l'équipe Women's dans EOSA. Année. Dans le groupe, ça a gagné Slovaquie. Il y a une équipe qui a joué 5e Coupe d'Europe, il y a 48e dans le classement FIFA. C'est pour une troisième fois, il y a une Nicolas Claude, équipe Slovaque. Qui a lui-même yo qualifié. En 2020, yo était campé dans phase de groupe. En 1976, yo était champion en tant que Tchécoslovaquie. Mais fois ça, yo séparé Slovaquie la République Tchèque là, n'a bien pour niveau sous Tchèque. Mais yo était champion en 1976, là ça a déjà été fait une. Depuis là, yo vin indépendant, puis gros performance, c'était en 2016, là ça a été arrivé dans 8e de finale. Depuis là, il y a beaucoup, j'aime arriver plus loin dans le 8e de finale, c'est Allemagne qui était metteur de Slovaquie, qui a joué le 17 face à Belgique, c'est là ça, Slovaquie, a bien pour rentrer dans la compétition. En parlant des Belges qui n'ont pas ça, avec eux, c'est 3e dans le classement FIFA. Ils ont joué 7e Coupe d'Europe, ils étaient finalistes en 1980. En 2020, ils étaient arrivés dans le quart de finale. Malgré Diable Rouge, il a fait quart de finale en 2020, mais dans la Coupe du Monde 2022, il a été sorti depuis le premier tour au Qatar. Il n'a pas eu trop espoir. Domenico Tedesco, qui parlait avec Thibaut Courtois dans la Coupe d'Europe, ça, Courtois qui était annoncé dans le premier temps, mois décembre. Qu'il pas intéressé pour jouer la Coupe d'Europe, là, peut-être qu'il pensait qu'il n'était pas bien temps retourner des blessés. Mais heureusement pour Courtois, malgré ce champion Ligue des Champions avec
L'équipe Real Madrid là, à Coutoua, qui a fait partie équipe belge là, pour aller même j'en avec Michy Batshuayi, joueur Fenerbahçe, et qui a répondu présent, entraîné à Paris là. Mais sous choix Coutoua, entraîné à Paris là, peut-être, il y a beaucoup de trop relations, et qui fait le pas convaincre entraîné à Paris là, après le fin de retourner sous blessé. Mais gros surprise dans le groupe ça a gagné Axel Witsel qui de retour après un an d'absence pour l'équipe belge là, défenseur Atlético Madrid là, monsieur retourné. Monsieur était campé parce que il était priorisé une série de jeunes joueurs sous lui, monsieur était pour quoi le campé, il était pour une retraite internationale. Mais Jean Vetton gagne un vétéran dans l'équipe là, questionné ça fois ça entraîné à relé monsieur encore pour venir jouer pour l'équipe belge là, et n'a pas parlé là. A dit Axel Witsel, vétéran 35 ans, 130 sélections, qui marque 12 goals pour l'équipe belge là déjà. Belgique a pas mal de monde et d'expérience dans le groupe. Alors pour mon temps, Jean Vetton gagne, il a gagné tout. Lukaku qui là, il a gagné. De Bruyne, Tchelemens, tout M. Sayo, il a répondu présent dans le terrain pour l'équipe. Pour l'équipe belge là, mais intéressant dans l'équipe ça, en attaque, il y a gagné Jérémy Doku, joueur Manchester City, et Kaplan en attaque pour l'équipe Belgique là, avec Leandro Trossard, joueur Arsenal en Angleterre, de M. Sayo Cap évolué dans la première ligue là, il y a là pour l'équipe belge là, dans la Coupe d'Europe ça. Mais Belgique, pour moi, Belgique avec Ukraine, c'est deux équipes dans le groupe et a cadoué par ses premiers tours. Mais Belgique, c'est une équipe des fois qui très prenable, qui ne convainc pas le monde, malgré le bon bel effectif. Mais arrêtez pour nous entendre, Belgique tape pour jouer dans le groupe ça avec Ukraine, Roumanie, avec l'équipe Slovaquie. En parlant d'Ukraine, l'Ukraine c'est 22e dans le classement FIFA, c'est 4e Coupe d'Europe. Il y a eu joué et puis l'on parcouru c'est en 2020. Il est arrivé dans le quart de finale, mais dans l'éliminatoire, l'Ukraine a tenté d'éliminer l'Italie pour être qualifié. Malheureusement, l'Italie avec l'Angleterre sorti dans le groupe là, il y a eu l'Ukraine dans le barrage. L'Ukraine qui sorti dans le barrage là, il y a eu l'Ukraine en Bosnie-Herzégovine et l'Islande. Pour être capable de qualifier pour un 4e euro affilé à Néa. L'Ukraine est capable de rentrer dans la compétition, c'est pour le faire à l'équipe roumaine de football le 17 juin et cap venir là. L'Ukraine pour le tenter et pour le compter et sous quelques belles expériences dans la Coupe d'Europe, ça, avec quelques gros talents, les gains et pour aller apprendre le cas des joueurs Arsenal là. Olex Sander Zichenko, qui a joué dans l'équipe Arsenal là, il prend pour le compter sous lui, avec Mikhailo Midrik, joueur Chelsea, il prend le compter tout sous Lounine. C'est l'équipe Real Madrid là, Lounine, qui sortit sur une belle saison à Real Madrid, monsieur, équipe Real très discutable dans le cage là, on a vu sous ça, il prend le gain et service à thème de Big Two qui a joué en Espagne pour l'équipe ukrainienne. La polémique qui a gagné, c'est Bouchan, c'est qui est habitué pour te couler l'équipe ukrainienne. C'est lui-même qui a gardien numéro 1. Mais sous ça, Lounine se fait là. Est-ce que l'entraîneur a bon facilité pour mettre Lounine sous banc pour continuer à jouer avec l'autre côté? Lounine, malgré blessure, Coutoua, il est venu avec Kepa. Lounine qui sorti sous banc, le mettre Kepa campé pour faire une grosse saison à Real Madrid. Il n'a pas joué finale Ligue des Champions. C'est parce que c'était Gomalez, mais c'était grippé. Il fait ses Coutoua qui joue. Mais Ancelotti a joué finale là à Lounine qui a parti avec l'équipe. Il y a Lounine qui joue 148 matchs pendant la saison. Lui est utilisé là-dedans pendant 144 fois. Et Gagné et Bouchan lui-même qui jouait 69 matchs, c'est pendant 62 fois. Monsieur, il a titularisé, il prend 6 cartons jaunes à Crillon, carton rouge. Est-ce que les pral arrivé passer sous Lounine pour jouer pour l'équipe ukrainienne? L'autre groupe là, c'est groupe F. Il y a un groupe qui vient Portugal, Tchèque, Géorgie et la Turquie. Le groupe ça, Tchèque qui
8e Coupe d'Europe, c'est 40e dans le classement FIFA. Yo, t'es là en 1976, c'est yo t'es champion. 2020, yo fait demi-finale. C'est 8e participation consécutive. Yo revient en quart de finale à deux reprises. Yo fait demi-finale. Yo fait finale dans 7 éditions précédentes qui ont joué. Yo ont un bel parcours. Équipe ça. Yo, peut-être prendre championnat ça grâce avec une inspiration de Antonin Parenka-Meles, ça a été pris en tant que Tchécoslovaquie. Yo divisé quand il y a ces République Tchèque et Slovaquie. Est-ce que Tchèque pourra faire le même exploit? Il était fait à Yo, pas jouer le premier match, c'est pour le face à l'équipe portugaise là, les 18 juin, Cap Vini là. Ivan Hazek qui pourra le miser sous trio, Bayern Leverkusen, non? Monsieur, ça a eu cette belle saison, que ce soit pour la Bundesliga, n'a pas l'idée, Matej et Kova. Adam Lozek ak Patrick Schick, Monsieur Sayo, entraîneur pral mise sou yo anpil, de même ki Diyo, kap jwenn ekip wè sam nan, Vladimir Koufal ak Thomas Soucek, Monsieur Sayo, yo 5 sa, entraîneur a mise sou yo anpil pou jwe Coupe d'Europe sa. Fok nou di ou, nan 26 jwè, yo rele pou jwe pou ekip, Tchèque là, gagné 15 là-dedans, cap joué dans le championnat la Caillou. C'est dans le championnat Tchèque qui a joué. Ils sont habitués avec le championnat national. Ils sont habitués avec l'autre Tchèque qui va jouer non 3, 4-3 dans le pays l'Allemagne. Dans le groupe, ça a gagné Georgie qui est 75e classement FIFA. Ils sont considérés comme petite équipe dans le groupe là. C'est pour la première fois qu'ils peuvent participer dans la Coupe d'Europe. L'équipe ça a mené par Willy Sagnol. Willy Sagnol qui écrit l'histoire dans le barrage. C'est sous Luxembourg avec la Grèce qui est qualifiée. La Grèce qui est habituée à jouer compétition. Mais malheureusement, il y a une équipe qui peut aller pour la première fois. Ils ont fait l'histoire, ils ont mis la Grèce dehors. Sagnol gagne une liste 26 personnes avec des têtes très connues dans le football français. Zirico, joueur Bordeaux avec Mika Outadze, joueur Metz. Monsieur Sayo à présent pour Georgie pour la première fois. Va discuter une Coupe d'Europe. Gardien Gueugui Mamadashvili qui a joué dans Valence avec Gueugui Koshorashvili qui a joué dans Levante qui répond présent pour l'équipe Georgia. Georgie qui a bien pour entrer dans la bataille le 18 juin et qui a venu là, c'est pour le compte la Turquie. En parlant de Turquie, Turquie qui est 40e dans le classement FIFA, c'est 6e Coupe d'Europe. Il était là en 2020, il a fait demi-finale en 2008. Yo pral sou 3e euro consécutif yo. De denye yo, c'était nan phase de groupe yo te éliminé. Georgie, en tout cas, kap gen pou jwe face à Georgie, c'est pral 18 juin, un kap vini la. Yo te totalement raté au 2021. Yo fait 3 matchs, c'est 3 défaites. Yo et pas qualifié, yo fini dans le groupe là avec 0 point, yo prend 8 goals, yo te marqué seulement yo green goal, yo héros qui était très décevant pour l'équipe Turquie ça qui retourne encore année ça dans Euro 2024 là qui pral essayer rattraper yo la Turquie qui se fête 100e anniversaire d'existence pardon, yo pral gain espoir sur yon forte population turque cap vivre dans pays Allemagne en pile diaspora turc c'est dans pays Allemagne y a vivre yo gen espoir ça yo pral gen un gros public en Allemagne parce que se fêter 100e anniversaire yo la Turquie qui espérait public li a pral répondre présent parce que yo gen pile monde cap vivre en Allemagne trois figina Ligue 1 Analissa, Youssouf Yazici qui s'est joué Lille, c'est dans le groupe là pour jouer pour Turquie. Yaldirim Akdogan Alemda qui s'est joué Stade Rennais, Monsieur Sayo, c'est toi Figuin dans Ligue 1 dans championnat français qui répond présent pour jouer pour Turquie pendant Coupe d'Europe. Gagné et comme gardien Alaya Bayimdi. Gardien Manchester United, l'équipe va répondre présent pour l'équipe Tchèque là. Dans la défense, il y a bien service Celik, défenseur AS Roma. Dans le milieu de terrain, il y a bien Okayo Kouslou, joueur West Ham avec Kalanoglu, qui se joue Inter de Milan, qui a plat dans le terrain pour l'équipe Tchèque là. Mais mes amis, il y a un gros monde en attaque à Dagoulet, joueur Real Madrid. Michel Cap est là pour l'équipe
Après qui peut tu là non et ouais qui pourra le porter couler la Turquie qui t'a dû jouer belle coupe d'Europe les sorties sont belle saison avec Real Madrid même si il pas joué trop pendant saison ça Real Madrid était très délicat il y a pas trop titularisé Michel Ancelotti t'a construit équipe sur expérience par rapport à qui ont pas qu'être blessé il était gain parenthèse fermée n'a tourné dans sujet principal là équipe ça pour aller là-dedans dans groupe ça pardon groupe F là c'est Portugal qui sous 9e participation sous 9e participation dans coupe d'Europe il est 6e dans classement FIFA Portugal qui t'es champion en 2016, 2020 éliminé depuis la 8e de finale. C'est premier Euro Roberto Martinez pour jouer avec Portugal, tandis que Cristiano Ronaldo pour jouer 6e Coupe d'Europe avec l'équipe portugaise. La 18 juin qui a venu là, Portugal a pris la bataille face à Tchèque. Et face à la République tchèque, et Portugal l'a bien pour l'entrée dans la bataille. Portugal joué au 2021, il y a eu très décevant. Roberto Martinez fait une série de choix très difficiles. Et pendant la Coupe d'Europe, ça, 8 ans après, il a pu laisser faire victoire encore en Allemagne, puisqu'en 2016, il a été pris en 2020. Il a passé à côté. Et sous 8 ans là, il a pu laisser refaire même exploit encore. Non, et au côté la France, Angleterre, Allemagne, Espagne, favori Portugal, pourquoi pas? Il a mérité, il a privé en forme, malgré le sorti d'un groupe très faible. Il a fait 10 victoires sous 10 journées dans l'éliminatoire, même si le groupe a été une équipe très faible là-dedans. Mais Portugal a privé dans l'Ewa en forme. Un effectif qui est basé sur l'expérience Ruben Dias joue à Manchester City, João Cancelo joue à Barcelone, il est bel et bien présent, belle équipe, bel effectif. Il aura le gain Rafael Leao avec João Félix joue FC Barcelone, Rafael Leao joue Milan AC. En pile gros monde équipe portugaise, une équipe qui chargée à qualité dans chaque poste équipe portugaise, un paquet expérimenté mais en pile jeune tout. Takuno Mendes, Gonzalo Ramos avec Gonzalo Ignacio, Antonio Silva, autant de jeunes talents qui intégraient l'équipe portugaise pour jouer la Coupe d'Europe là dans le pays l'Allemagne. Et sans oublier Cristiano Ronaldo qui a répondu présent dans la Coupe d'Europe ça, et Portugal qui il y a un paquet de postes, non seulement qui a doublé, mais qui a triplé tout dans la Coupe d'Europe là. Cristiano qui peut-être probablement va jouer dernier Coupe d'Europe avec Portugal, qui a doué jouer fort là avec l'équipe portugaise pour mener yo loin. Dans la place devant, c'est Cristiano Ronaldo pas joué, Gonzalo Ramos ou Diogo Jota, c'est Moun qui a doué jouer en pointe pour l'équipe portugaise là. Dans la place Bernardo Silva, Conseil Sao est capable de jouer place à tout. Maintenant, il y a terrain, il y a bien la présence Bruno Fernandes, il y a bien la présence Ruben Neves, il y a bien la présence. Il y en a d'un coup Mateus Nunes tout pour Portugal. Oui, Patricio, sans doute, Apnakan pour l'équipe portugaise. La nappe bouclée là. Merci à tout le monde qui t'a suivi J-Sport. Il y a une édition qui te rend possible grâce à la collaboration toute équipe là, micro-présentation Getson Jean-Pierre Cameraman, Kenderson Kola à sous-supervision, à Peterson, à Daniel Simon, réalisation TMTS. Bye bye tout le monde, rendez-vous pour une autre édition.